au fil de ces années, est né à l'intérieur de moi un rêve qui était de faire quelque chose de matériel. Un objet, quoi. Quelque chose que je puisse voir et toucher quand j'ai fini de travailler, en fait. Toutes ces vibrations de l'univers nous ont bien créé, là, bien palpable et bien présent, quoi. Et donc cet ancrage, je trouve qu'il est, il est merveilleux et il est très spirituel, en fait, aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de revenir à ce que l'humanité a toujours fait, c'est-à-dire mettre du spirituel dans la matière. C'est-à-dire que, ben, oui, même les hommes préhistoriques, on l'a vu avec des peintures rupestres, etc., avaient besoin de signifier, de dessiner, de faire un lieu. Donc un lieu, c'est bien matériel. Les pierres, elles sont matérielles. Les statues qu'on a créées, les idoles, je trouve que c'est un merveilleux moyen d'amplifier nos propres vibrations et de nous relier aussi à notre existence terrestre. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire des objets qui, en étant bien matériels, nous aidaient à nous élever.